Bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 8 Village, évidemment avec l'épisode 11. Comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, prenez un petit truc à boire et à manger, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Et nous étions dans le caca, on a appris des trucs très intéressants, il s'avère que Mia nous cachait déjà quelque chose il y a pas mal de temps, ça commence à devenir une habitude pour elle. Et on était sorti d'une pièce où on avait réussi à choper quelque chose de très intéressant, c'était les ciseaux. Et grâce aux ciseaux, on pouvait découper le bandage que Mia a juste ici. Allez, c'est parti. Bon, normalement, il devrait y avoir la dernière plaque. Voilà, oui, c'est la... je reconnais... On a la dernière pièce. Rose. Ok. C'est pas encore trop ce qui s'est passé. Nous avons, comme je disais, la toute dernière pièce, donc... Ça va être intéressant, on va pouvoir ouvrir une toute nouvelle porte. C'était bien les yeux fermés. Oh là là, j'avais une mémoire. Une mémoire. Donc là, nous sommes partis. On va l'ouvrir, on va voir un petit peu ce qui se cache derrière. Comme d'habitude, merci infiniment à tous ceux qui mettent... Voilà. Un like et un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Donc j'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Oh non. Oh là 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 là. Je suis pas bien là. Ok, c'est bon. Eh, j'ai cru que c'était le couloir de Super Mario 64, que c'était infini là. Ah, un puits. Oh là là, attendez, parce que je commence à battre de la jambe. C'est cringe de ouf. Ok, bon, on va y aller dans ce puits. Ok, je suis à peu près serein à 0,01%. Ok. La clé du tableau électrique. Quoi? Oh non! Oh les bâtards! Oh là là! On commence vraiment l'épisode comme ça là? Ok. Tellement pas serein. C'est incroyable cette ambiance là. Oh. Attendez. On va save. Tout ira bien. 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 Oh là là, le corps a disparu, la chaise a disparu. C'est quoi ce délire? J'ai trop peur. Je cours que quand je vais me chier dessus, je vous préviens. Ok, on va passer par là. C'est quoi ce délire là-haut? Ok. Oh la vache. Oh, je suis pas bien.
Allez, dépêche, dépêche, mon roi. Le relief d'un enfant. Ok, 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 attends. On va retourner là. Ok. Je suis vraiment pas bien là. C'est... Je suis désolé de pas parler, mais... C'est incroyable ce qu'ils ont foutu là. Ok. Oh là 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 là, c'est dur, c'est dur. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Oh, l'ambiance était incroyable, hein, vraiment, hein. J'espère que vous êtes plongé dans le noir avec un casque ou des écouteurs et que comme moi vous étiez pas serein. La vache. Tellement stylé, putain. Ok, ici c'est fermé. Bon. Ok. Ok. Non mais là il peut rien m'arriver là, le couloir il est à sens unique. Hein? Eh, il peut rien m'arriver là. Non. Oh, je suis un génie. Il arrive. C'est un gigantesque bébé. Faire. Ok, respire, Ethan. Se cacher ici. Ah bah je suis un génie, putain, j'y ai pensé sans savoir. Ah oui, d'accord, c'est lui qui dépose du sang à peu près partout. Il y a pas un autre endroit où je peux me cacher, genre un peu... Ok. Je suis tellement pas serein. Ok. Bon. Oh
Oh, c'est terrible. On voit rien à 2 mètres, hein, vous inquiétez pas, c'est le jeu. De toute évidence, Ethan, il va pas avec des lampes puissantes, dans des lieux problématiques. Ok, on va courir. Bon! J'étais vraiment pas serein, c'est incroyable. Mais c'est pas vrai. Elle était où la sortie ici là? Oh là là, quoi ces giga jambes? Dépêche! Quoi? Vache! Pute la gueule! Waouh! C'est quoi les embrouilles? Ok. Attends. Faut que je me recentre là sur tout ce qui se passe. J'ai toujours pas d'armes, j'ai toujours rien. Quoi? Ok. Toujours en vie, hein? Oh. Dépêche-toi de me trouver avant que mes amis ne te tuent! Titac! Ta vie est toujours... Oh là 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 là! Essaie de me trouver! Elle est partie là-bas? Non? Là-haut. Oh. Elle s'énerve ou quoi là-haut? J'ai peur. Il va se passer quoi là les refs? Elle est derrière alors. Elle est derrière. Non? Je vois que ça. Ah ah, putain de merde. Ok. Ouais bon, c'est bon, j'ai l'habitude à la main. J'ai l'habitude. Oh lolo. On est vraiment revenu ici là? Ah mais non, mais j'ai plus rien. Ah, je comprends pas là. Mais comment veux-tu que je la trouve, mon ref? Je vois pas comment la trouver, à part en haut. Ok, donc elle se glisse dans une des poupées. Oh là 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 là. Bah voilà.
On était déjà passé devant elle. Saloperie! Ok. Bon. J'ai trouvé et il faut donc la ramasser en fait. Ah, il y a du sang là. Il y avait pas ce sang avant. Hein. Non, il y avait pas ce sang avant. Oh là 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 là, c'est tellement trop bien fait. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Je crois que si on met trop de temps... Comment je vais faire? Putain! Ok, jamais 203, vous connaissez les jeux vidéo. Rose aussi, tu lui fais ça? Ah bah elle est là. Allez, ça dégage. Normalement, c'est fini. Jamais à sortir d'ici. Imbécile! Comment oser faire ça à une pauvre petite poupée? Ranger les choses. Hein? Ok. Il est temps de quitter cet endroit. Bon! Allez. C'est une bonne chose de faite. C'est elle qui faisait tout ça. Allez. Angie. Et j'ai récupéré mes armes. Évidemment. On a eu extrêmement chaud. Je suis pas du tout serein. Est-ce que je suis sûr qu'on peut redescendre en bas et tenter de tuer le sort de bébé là? Ça serait assez ouf, non? Ok. Ça va swinguer. Rien à péter. Alors, bougez pas. Déjà dans le hall d'entrée, il y a quelque chose, d'accord? On va essayer de le trouver. Cette phase de jeu était, je me permets de le dire, littéralement phénoménale. Vraiment, merci, j'ai trop kiffé. Ça n'a pas duré bien longtemps, mais tellement folle. Cette maison Beneviento. Et imaginez que ça soit le gardien, le gros bébé là. Ça serait pas assez dingue? Attendez, parce que des fois, les trésors, ils se mettent à clignoter. Après, ils clignotent plus. C'est un enfer. Il y a un trésor ici, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Non, attends. Ok, il y a un trésor en bas. Il est pas en haut. Il est en bas. Mais alors, où peut-il être, ça? J'en ai aucune putain d'idée. Il y a un trésor ici, tout simplement. Voilà, écoutez, il peut être dans le hall, couloir compris. Pour l'instant, je vous avoue que je ne sais pas du tout
Mes coups de couteau sont vraiment dans ce putain de jeu voué à l'échec, hein, c'est terrible. Vous croyez que j'ai de quoi battre le bordel en bas là? Ah, c'est peut-être juste le bocal. C'est peut-être juste le bocal? Oh putain, c'était le bocal. Ok, on retourne en bas ou pas? On y va? Ah, c'est pas du tout ici. On porte nos balls? Incroyable. Et je suis encore sur l'expérience là. Oh non, c'est fermé. Fermeture exceptionnelle. Oh, j'ai le sum. Et si on passe par là, il y a quoi déjà? Oh, j'ai le sum. C'est sûr, le gardien, c'était peut-être le bébé. Je sais pas, je... Ok. Eh, mais faut que j'arrête mes coups de couteau, hein. Je suis vraiment une merde, putain. J'essaye de localiser s'il y a... On m'a dit de prendre les chèvres, hein. Qu'en fait, ça équivaut tout simplement à des médaillons. Et si on les a tous, bah GG à nous. Donc on va... On va prendre toutes les chèvres, tout simplement. Bon, après, je les aurai pas tous, je pense. Vous me connaissez. On est forcément passé à côté de quelque chose. Le jeu est tellement détaillé. Encore une fois, eh, je vais pas vous le rappeler, hein. Mais vous, vous avez les yeux partout parce que vous êtes spectateur. Moi, en tant que joueur, je suis centré sur des points bien précis. Et ça rend la chose peut-être un peu plus compliquée. Mais j'ai besoin d'être non-stop focus, finalement. Ok. Bon. Je suis content, on a quand même un deuxième bocal. Donc ça s'est plutôt très très bien passé. Le problème, c'est que je confonds beaucoup les trésors avec, vous savez, les effets un peu de jour qui passent à travers des rochers ou les trous dans les maisons. Et ça, c'est assez terrible, pour être très honnête avec vous. Mais bon, pas grave, à trouver. Ah, on doit repasser à travers le cimetière. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Oh là là, c'était dingue. J'y repense, je suis désolé. C'est vrai qu'on a eu deux épisodes, on a eu une heure de gameplay. Assez folle en vrai, hein. Vraiment, vraiment cool, hein. Aucunement déçu. Pour l'instant, le château et la maison, franchement, GG. GG tout simplement, c'est le seul truc que j'ai à dire. GG, ça fait kiffer. Dimitrescu, incroyable. La maison, incroyable. On est sur un petit sans faute. Ça, c'est le créateur qui est mort, non? Maison Beneviento. Il y a forcément quelque chose ici. Non. Allez, on est sur un malentendu. Une carte. Collier avec clé? Non. Attendez. C'est pour retourner à la maison de Louisa, ça, non? Mais alors, ça veut dire qu'il est toujours combinable? Objet de grande valeur, ça j'ai bien compris. Ouais, c'est très bizarre. On verra un petit peu plus tard. Bon! Ici, on a quelque chose à mettre, mais je ne sais pas du tout où ça peut être. Donc on peut se barrer. Est-ce que vous croyez que si on tire là-dedans, il peut se passer quelque chose de positif? Ok, attendez, j'avais pas vu ça. Sérieusement? Ok, j'avais vraiment pas vu ça là? What? Mais c'est ça la maison du jardin? Ah!
Hasta la vista, baby! Ok. Hasta la vista, baby! Waouh! Eh bébé! J'aurais peut-être pas dû utiliser autant de grenades, mais enfin. Ok, c'est ça la maison, hein. On a notre réponse. B, un crochet. Une caisse, une mine. C'est beau ça, on adore les mines, on les embrasse. Oh! Oh lolo! Oh, 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 c'est quoi ça, mon ref? T'es énervé ou quoi? Un tac! Un puissant fusil à pompe de combat. Ok! Examinez vite fait. 760, 1, 6, 2, 7, 4. Ok, examinez. Ah ouais, ouais. Bon. Je pense que la question, elle est littéralement vite répondue. À savoir que les munitions que j'ai dans mes pistolets, je les perds. Donc, on va essayer de les utiliser. Attends, il n'y a déjà plus rien, très bien. Enfin, il n'y a déjà plus rien, si. Ok, 2000 lays, très bon ça. Non, mais je suis un connard, je le recharge, mon bon. Oh là là. Ok. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça, dites donc? Dites voir! Décoré d'un emblème représentant lune et soleil. C'est une boule! C'est une belle boule! C'est une belle balls! Ok. Y a pas un petit truc qui s'allume là sur un malentendu? Apparemment, non. On peut y aller. J'ai pas du tout checké le trésor. Est-ce que vous croyez qu'on peut mettre la pose sur la tombe? Non, ça servirait strictement à rien. Ok, là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert et ça met nous, là, cette petite histoire. La maison du jardinier! Mais oui! Ok. Ok, 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 ok. Il se passe tellement de choses incroyables! Après, on va save, évidemment. Voilà, on a la deuxième. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. C'est totalement fou tout ce qui se passe. Ben oui, allez go. Voilà. On a la petite fille. Alors, j'ai fait un tour de l'objet. Hein, c'est juste pour voir s'il n'y avait pas un truc à retirer. S'il vous plaît. Ok. Là, ça va swinguer ou quoi? Bah alors? Photo d'un oiseau étrange. On l'a déjà eu cet oiseau, hein, il me semble. Hein. À moins que l'oiseau... Attendez. Non, 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 on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. C'est un petit indice pour l'oiseau bleu. Grenade explosive! Bah attendez, il y a un lance-grenade ou quoi, mon ref, ici? La clé du luthier, ça y est! Et on va même pouvoir save. Incroyable. 10 novembre. Mademoiselle Donna est devenue la fille adoptive de mère Miranda. Durant toutes mes années ici, je n'ai jamais été aussi heureux. Depuis sa tendre enfance, elle a toujours eu peur des autres. Peut-être à cause de la cicatrice qu'elle porte sur le visage. À la mort de ses parents, elle s'est renfermée sur elle-même, ne parlant plus qu'à Angie, la poupée que lui avait fabriquée son père. Je suis éternellement reconnaissant envers mère Miranda pour son infinie compassion. 27 novembre. Mademoiselle Donna a l'air heureuse. C'est sûrement mon imagination, mais même sa poupée Angie semble plus vivante que d'habitude. Aujourd'hui, elle est venue au jardin et s'est servie d'Angie pour discuter avec moi. Nous avons eu une bien belle conversation. Elle n'a cessé de dire que sa mère lui avait fait don d'un pouvoir.
29 novembre. Mademoiselle Donna m'a donné des fleurs jaunes qu'elle m'a demandé de planter dans le jardin. Je les ai plantées devant la tombe de Mademoiselle Claudia. Je ne sais pas si c'est à cause du parfum de ces fleurs, mais j'ai été pris de vertige. Puis, comme dans un rêve, j'ai vu ma pauvre femme défunte. J'ai parlé de tout cela à Mademoiselle Donna qui semblait pour le moins ravie. Elle m'a alors invité à me rendre chez elle demain. Elle a dit que je pourrais revoir ma femme encore une fois. Je me demande bien ce qu'elle entend par là, mais son intention me touche. Bon bah voilà, on a trouvé la maison du jardinier. Quel épisode incroyable. On a beaucoup de choses à faire encore, on a la clé du luthier, ça y est, on va pouvoir ouvrir une bien belle maison. Ah, bah c'est là qu'on la met, la bowls, il me semble, non? Regardez, voilà. Ok, j'ai compris. Non. Ok. On va faire cette énigme incroyablement dure. Eh ben, hey, du génie. Let's go, du premier coup. Incroyable! Crâne noir de Jaïs. Ok. Crâne noir de Jaïs. Objet de grande valeur, voilà. Il ne se combine pas. Tout va bien. On check, hein, évidemment, sous tous les angles à chaque fois. Et ben voilà, je suis tellement content. Cet épisode était dingue, historique. S'il vous plaît, arrachez-moi la barre de like, la barre de commentaire et faites tourner. Cet épisode était historique! Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine, j'ai encore la bouche pâteuse. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao, ciao.